Bonjour à tous, coucou les filles, coucou les garçons. On se retrouve pour une série de vidéos, la deuxième vidéo d'un jour, une palette. La dernière fois, on a fait un make-up avec la palette Natasha d'Enona. Je vous le mets ici. Et aujourd'hui, on va tester la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette de Too Faced. C'est parti. Si vous me rejoignez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en bas sur le petit bouton s'abonner, de liker la vidéo dès maintenant parce qu'après vous allez oublier. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Alors, je vous présente tout de suite la palette. Donc c'est une palette de fards à paupières qui contient 7 fards, une harmonie plutôt chaude avec des mats, des marrons mats, des irisés, vous avez un beige très très clair ici, des pailletés et un duochrome. Voilà, donc moi j'ai craqué, j'ai eu un coup de cœur sur l'harmonie de cette palette. Je l'ai trouvé en promo sur le site de Sephora, mais à un prix défiant toute concurrence. Donc je suis très contente. On va faire le petit make-up ensemble. J'ai juste fait mon teint au préalable. J'ai appliqué ma base lumineuse, moi ça dit, donc la primer de VDL que j'aime toujours autant. Le fond de teint, j'utilise le stick Lancôme que je vous ai déjà présenté, qui est vraiment très 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 bien pour moi. Je voudrais vraiment en trouver un remplacement parce que je pense que ça s'use extrêmement vite. En anti-cerne, j'ai mis le Wake Me Up de Rimmel très légèrement. Et pour réchauffer tout ça, j'ai mis une petite terracotta de Guerlain spéciale blonde. Voilà les filles, je vous ai tout dit. Alors, on va démarrer. Je vais essayer de m'avancer un petit peu par mettre une base. J'avais oublié ma base dans la précédente vidéo. Donc, je vais tester la Primer Potion. Enfin, tester. Je vais appliquer puisque je la connais déjà très très bien. Elle est très efficace. Alors, je le fais aujourd'hui, mais c'est vrai que j'utilise d'abord la palette sans base. Il n'y a pas besoin. Les fards Too Faced tiennent extrêmement bien. Voilà, c'est pour améliorer encore plus la tenue. On va attaquer donc par le creux de paupière directement avec ce marron mat ici. Donc je prends un pinceau, ouais, il faudrait que je l'ai assez diffus. Et je vais mettre tout de suite cette teinte. Vous voyez dans le creux de paupière ici pour définir et donner un petit peu de profondeur au regard. Vous voyez la pigmentation des fards est nickel, ça s'étale très bien. Je sais que cette palette existe en deux versions. Franchement, je vous la recommande. Si vous aimez alors les teintes nude, mais que vous aimez aussi une petite fantaisie avec les deux fards du milieu, je vous la recommande à 1000%. Voilà, donc moi je fais un maquillage assez simple, hein, comme vous avez pu le remarquer. Des choses que vous pouvez reproduire le matin très rapidement, parce que quand on est maman, on n'a pas non plus 3 heures dans la salle de bain pour se maquiller, donc on fait ça rapidement, mais on veut un résultat joli quand même. Voilà, je vais prendre le marron plus foncé pour faire vraiment l'extérieur de l'œil avec un pinceau un petit peu plus précis cette fois-ci. Donc cette teinte, c'est la Coconut Sugar, qui est un marron vraiment foncé. Donc ça va donner encore plus de profondeur au regard. Donc j'estompe avec mon pinceau précédent, avec lequel j'ai appliqué le marron un petit peu plus clair. J'estompe bien le bord, comme ça. On va faire de suite le dessous de paupière. Donc avec un pinceau plat, je prends la teinte la plus claire, la Pineapple couleur. Donc, hop, juste pour faire en dessous du sourcil. On va faire aussi le ras de cils. Dans celui-là, un petit pinceau boule. Je vais prendre le marron, le premier marron qu'on a appliqué, celui-ci. Et je vais venir sous le ras de cils, sans trop appuyer, et tirer un petit peu vers l'extérieur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec le marron plus foncé,
TikTok. Bon, les fards sont pas du tout poudreux. Hein. Je vais faire un tout petit peu le... Alors, j'ai pas pris le meilleur pinceau pour faire ça, mais le ras de cils supérieur. Et d'ailleurs, je reprends cette teinte plus foncée, mais que je vais mettre vraiment juste sur l'extérieur. Vous voyez, je reviens pas jusqu'au coin interne. Voilà, pour flouter un petit peu le... Pas mal. Je reprends la couleur de transition, voilà, ici. Et je vais revenir estomper et flouter les bords une dernière fois. Et ensuite, on va appliquer une autre fard irisée au doigt. Ma teinte préférée de cette palette, c'est ce fard duochrome vert marron, selon l'orientation de la lumière, qui s'appelle Passports and Pineapples. Donc, je vais venir au doigt. Voilà. Donc, un petit peu plus poudreux, celui-là. Vous voyez, il y a des très jolis reflets verts. Et je vais venir le tapoter sur la paupière. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite comment ce fard est magnifique au niveau des reflets lumineux qu'il apporte au make-up. Voilà, c'est très simple. De toute façon, avec cette palette, vous n'avez que 6 fards, donc vous ne pouvez pas non plus... faire des make-up ultra compliqués, mais vous avez vraiment de quoi de faire des make-up qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même. À chaque fois que je mets ce fard, j'ai des compliments. Donc je superpose jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée. Écoutez, voilà, le tour est joué en 5 minutes. Un joli make-up. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre du mascara. Alors voilà, les filles et garçons, ça y est, j'ai mis le mascara. Donc j'ai mis un petit Black Magic de Ico que j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez voir le rendu au niveau des yeux. C'est vraiment très joli, très lumineux. Le fard à reflet apporte quelque chose d'unique à ce maquillage. Et voilà, donc c'est cette palette-là. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous la remontre une dernière fois. Elle est très complète. Je ne vous ai pas swatché tous les fards. J'essaierai de vous mettre ici des swatchs de ces fards. Le doré est très beau aussi. Vraiment, elle est pratique, petite. Et voilà, on peut faire vraiment des make-up très variés avec. Pour finir, je vais mettre un petit coup de rouge à lèvres. Donc j'ai pris le Capricious de MAC que j'ai reçu dans la My Little Box, la dernière My Little Box. Ouais, alors je l'ai mis à la One Again Live to Fly. Si, ça va, j'ai pas trop débordé. Mais j'ai pas fait ça proprement. Voilà, je voulais quelque chose d'assez passe-partout sur les lèvres. Et je trouve que ce rouge à lèvres est très bien, très lumineux. Voilà les filles et garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que la série Un jour une palette vous intéresse. Je vous proposerai donc une troisième palette à découvrir dans la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez ces palettes. Ou éventuellement dites-moi en commentaire avec quelle palette vous aimeriez que je vous fasse cette série. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner comme d'habitude, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.